Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu The Legend of Zelda Link's Awakening. Et donc je vous avais essayé la dernière fois, on avait fait bien évidemment le troisième donjon, et je vous ai menti, je vous ai dit que dans cet épisode on allait faire le quatrième donjon, mais en fait on va faire plutôt le donjon secret, et aussi on va faire un petit peu 2-3 trucs un petit peu à côté, histoire de pas trop rusher un petit peu, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas mal rushé l'aventure jusque là. Donc voilà, pourquoi pas faire le donjon secret que je ne connais pas et explorer un petit peu l'île grâce à nos nouvelles capacités, parce que là on a à peu près toutes les capacités de base. Et ben allez, on est parti. Alors oui, on va peut-être commencer déjà par faire l'ocarina, au moins ça sera fait, et ensuite on ira voir le donjon secret. Hop, donc on va s'endormir. Hop, on va prendre des bottes parce qu'on va en avoir besoin. Donc là ces bestioles là elles craignent rien du tout, sauf si on leur charge dessus, et surtout en fait elles copient les mouvements mais en mode inversé. Ouais, c'est impossible de passer tant qu'on n'a pas le... Enfin si, c'est possible de passer. En tout cas c'est possible de passer jusque là, j'ai déjà réussi la première une fois sans avoir les bottes, mais c'est quand même plus pratique d'avoir les bottes. Hop, 100 rubis. Ah. Et ça va bien nous servir. Hop, l'ocarina. J'espère que tu pourras jouer plusieurs airs. Voilà, nous avons l'ocarina, ce qui va nous être fort utile parce qu'il existe plusieurs balades disponibles. Il en existe 3. Il en existe 3, dont la principale, évidemment, vous l'aurez deviné assez facilement. Il s'agit de la balade de Marine. Mais c'est un ocarina que tu as là. Veux-tu en jouer pendant que je chante? Alors, comment tu la trouves? N'est-elle pas émouvante? Sauras-tu t'en souvenir? Oui. Voilà, donc nous avons notre premier air. Il y a un second air... Un second air. Une seconde mélodie possible de disponible. Actuellement, je crois. Ah non, je pense qu'il me faut un item que je n'ai pas encore. Il me faut un item que je n'ai pas encore, mais bon. Ce que je voulais faire... Voilà, on va aller plutôt du coup du côté du second donjon, et en fait le second donjon, son début est là. Dans le bouquin que, bah évidemment, je ne connaissais pas. Ce n'est pas du code, quoi, tu veux remarquer? Non, attends. Voulez-vous lire ce livre? Lire. Un monde de couleurs sous 5 pierres tombales. 3 hauts, 4 droites, 5 hauts, 2... Je vais noter à côté. Alors... 3 haut, 4 droite, 5 haut, 2 gauche et 1 bas. Ok. Teste ton courage, ouvre un nouveau chemin. Le valeureux aura le pouvoir des couleurs. Quel est le monde de couleurs? Alors, on va aller au cimetière, parce que je suppose que si ça parle de pierre tombale, ça doit parler du cimetière. Et comme il y a pas mal de zones où il y a des pierres tombales, il y a des gros paquets de pierres tombales, je me dis... Ça a peut-être un rapport, dans le doute. Le cimetière est pas bien loin. Hop. Il est là-haut.
Ça fait penser qu'on a accès... Ah bah oui, on a forcément accès à une... À une partie... À une partie plus haute... Du... Des montagnes. Alors... Ça a la masse de PV. La question c'est, est-ce que c'est là? Ah bah non, il y a... Il y a que 5 trucs. Faut que je trouve un endroit où il y a que 5... Ah, ici, non? Vérifions. Ok, ça peut être que là. Pousse-toi! Putain, y'en a un peu. Voilà, merci. Donc. Alors, en 1 vers le bas. Ok. Le 2 vers la gauche. 3 vers le haut. Putain. 4 vers la droite. Et le 5 vers le haut. Ok, c'était bien ça. C'est un donjon que je ne connais absolument pas pour le coup. Oui. Nos couleurs changent. Si je suis rouge, il sera bleu. Et inversement. De quelle couleur sont mes habits? Bah bleu. N'en parle à personne. Ouais, tu... Hein? Nos couleurs changent. Si je suis rouge, il sera bleu. Et inversement. De quelle couleur sont mes habits? Je comprends rien. La fête attend. What the fuck? Je suis juste en train de me faire pourrir la gueule. Alors attendez, il a dit la poudre. Ah. Je viens juste de me faire pourrir la gueule. Je vais jamais avoir assez de poudre. Ah, quand même. Me dis pas que c'était... Ah, ça avait l'air d'être juste une unité. Oh là 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 là. Ça me semble compliqué, cette histoire. Ça va me tirer à la gueule. Ok. Donc là, j'ai pas le bloc de marbre. Ah, ça, c'était facile. Et je sens qu'il va y avoir beaucoup plus compliqué. Alors j'ai pas la carte. On va voir si c'est assez grand. S'il y a beaucoup de coffres, ça risque d'être très grand. Non, ça a l'air d'aller. C'est carrément un donjon complet en fait. Oh là là. Oups. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, en fait, c'est dangereux. Allez, viens là, le verre. D'accord. On peut pas le prendre? D'accord, ok. Allez, viens par là. Nice. Le bec de pierre. Bon. On a quand même déjà quelques trucs. J'ai pas encore de petite clé. Oh putain. Putain, mais ils me pourrissent la gueule. Oh là là, c'est pas simple, hein. Il n'a pas l'air très grand le donjon par contre. Je n'ai pas beaucoup de coffres. Mais en termes de difficulté, bon ça va. C'est juste que je prends assez cher. Et il n'y a pas beaucoup de ressources. Ah les fils de pute. Ok d'accord, j'allais dire ils étaient en train de tout casser en fait. Je comprenais pas, je me suis dit putain, c'est des ennemis et tout. En fait ils étaient juste en train de tout casser. On va passer par là. Mid-boss. Fou Cupide, tu veux plus de puissance? Un bouffon tel que toi est indigne. Qu'est-ce qui se passe?
Oh là, je suis tellement en train de me faire pourrir. Ok, faut esquiver les cailloux. Allez, esquive de cailloux. Cailloux esquive. Arrête de bourriner, s'il te plaît. C'est pas très compliqué. Nice. S'il te plaît, donne-moi une fée. S'il te plaît, donne-moi une fée. Y a pas de checkpoint, par contre. Oh, le fils de pute. Bon, y'en a un qui s'est suicidé rapidement. Qu'est-ce qui se passe là? Je suppose que c'est là-dedans. Ah! Ok, là c'est un peu plus compliqué comme énigme. Vous aurez compris, à chaque fois que je tape un petit machin, c'est ses copains qui changent. Ah merde, j'ai carrément tout inversé. Et quoi? Voici un indice. Rouge devient bleu. Bravo! Merci! Ok! Tu m'aides beaucoup, mon coco. Oh là là. Là, je suis pas loin. Je crois que j'ai peut-être une idée. Bah, mais ça, je retombe sur le... Il faut que j'arrive à faire en sorte que la croix, elle soit de la même couleur. Sinon j'y arrive pas. Putain, j'ai complètement inversé le truc. Ah! Encore? J'arrive pas. En plus, je suis sûr qu'il faut passer par là. J'ai de nouveau le même problème. Oh! Oh la merde. Alors là, il vient de me poser un truc, ce jeu. Je tape un peu au pif aussi, je dois dire. Mhm. Oh! Non, bah pas du tout. Bah... En fait, le problème que j'ai à chaque fois, c'est que le... Putain, je suis vraiment pas loin. Je suis vraiment pas loin. Quoi? Ah merde. L'homme du pif absolu. Si ça passe un jour, j'en ai aucune idée de ce qu'il faut faire exactement. J'ai toujours un problème, je retombe toujours à 1. Et cette musique qui commence à me taper sur les nerfs. Putain. Je retombe dans une situation qui est quasiment identique à ce que j'avais fait avant, à quelques petits trucs près. Ça me semble pas bon. Putain de sa mère. Je suis l'homme du pif. Je pif absolument. Oh! Niquez vos mères! Niquez bien vos mères! Sérieusement? Faut tout mettre en bleu?
Tu pouvais pas me le dire avant? Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Je sais pas. Et voilà. Et voilà, putain de... Pout. Je suis en train de m'énerver, je suis désolé, mais... Ça aurait dû passer, enfin je sais pas, c'est débile. Pourquoi ça passe pas? En plus je suis en train de tout continuer à piffer, voilà, c'est passé, mais oh là là. Ouais, d'accord. J'ai tellement chaud. Ok. Il y aurait pas une petite clé qui traîne? Oh, me dis pas qu'elle est dans une salle. J'ai comme l'impression que... Ouais, j'ai pas de petite clé. Tu restes sauvegardé, toi. Tu restes sauvegardé, sinon je t'assure. Mais je t'assure que je fais un meurtre. Ok, il y a un coffre. La carte est là. Ok. Donc, il me reste pas mal de cases. Ouah. Alors toi, c'est bon. Bah merde alors. Je vais attendre qu'il se défasse parce que je peux pas les choper. Ah merde. D'accord. Ah mais en fait, je peux parfaitement les choper. Oui, petite clé. Alors. Ouais, t'es resté sauvegardé. T'es resté sauvegardé, c'est gentil. Sinon là, j'aurais fait un meurtre. Je n'ai pas la grande clé. Du coup, le fait de venir là, ça ne servait pas à grand chose pour moi actuellement. Donc j'allais chercher la grande clé. De toute façon, c'est le dernier à des items. Enfin, des coffres. Alors, ça doit être par là, à droite et puis en haut. Aïe. Ok. Oh. Oh, ça a été vite. Oh, ça a été magnifiquement vite. Je vais rusher, hein, tant pis. Hein. Encore un boss? Bouh, ta lame est pitoyale, tu pourras jamais me battre. Jeune saut, ton épée ne marche pas, essaye donc autre chose. Ok. D'accord. J'ai plus beaucoup de... Wouh, c'est passé. J'avais vraiment plus beaucoup de poudre en espérant qu'il faille... Il m'en faille pas plus pour faire le boss. Sinon, je suis pas dans la caca. Ouah, ça va. En termes de difficulté d'énigme... Là, ça allait. Ah. Et là, j'aurais l'air de quoi si je pouvais pas... Ok. Allez, on va aller se faire ce boss en espérant qu'il nécessite pas trop de poudre parce que j'en ai plus du tout. Ouais, c'est par là. J'ai pas non plus énormément de vie. Donc on va bien voir.
y a peut-être une fée qui traîne. Je vais lui demander. Ouais. Non, reviens là. Saloperie. Ouah. J'ai cru qu'elle allait se barrer sur moi. Ok. Ah, je comprends pas le principe de cette énigme du coup. Je vais prendre ça au cas où. Bleu est normal, jaune attention et rouge danger. Bleu commencer, jaune attention, rouge danger. Je comprends pas. Je vais laisser tourner, peut-être qu'il faut que je laisse tourner, je dois pas taper. Comment je fais pour faire passer un niveau supérieur? Je ne comprends pas comment ça fonctionne. De toute évidence, c'est pas ça. Merde. J'utilise ça. Je viens de le dire d'un ton vraiment pas convaincu. Ça devait pas être ça. Ça devait pas être... What? C'était quoi? Est-ce qu'il faut que je renvoie les tirs? Ça ne semble pas être ça non plus. Des bombes? J'en ai plus qu'une. J'ai vraiment plus rien. Ouais. Il est vert vraiment fort là. Ah! Ah, je bourrine. Je sais pas du tout si je lui fais des dégâts en fait. Je comprends pas. Ça se trouve, faut juste bourriner à l'infini en attendant que... Il doit être juste avoir énormément de PV, je sais pas. Généralement dans le jeu, quand les boss ils prennent pas de dégâts, bah c'est pas marqué, enfin ils clignotent pas quoi. Bon, je suis juste en train de me faire péter l'anus. On va peut-être le laisser redescendre. Je suis en train de me faire péter le boule. Bleu commencer, jaune attention, rouge danger. Ouais. Alors si tu pouvais arrêter de me dire ça tout le temps. Mais mec, je comprends pas. Je sens que je vais aller regarder sur internet parce que ça me semble vraiment bizarre cette histoire. Ok, après vérification, en fait, il faut juste bourriner, mais vraiment fort, quoi. Il faut faire en sorte que sa couleur, elle reste rouge le plus longtemps possible, et c'est pourtant ce que j'ai fait. Et... Le problème, c'est qu'il repousse à chaque fois, quoi. Ah, mais oui. J'ai peut-être une idée. Non, mais non. Il se passe quoi là? Pourquoi il recule à fond? Ou alors faut être vraiment au taquet? Je suis... Ouais. What?
J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Sois le bienvenu, voyou. Je te félicite d'être venu jusqu'ici. Je vais te remettre le pouvoir de la couleur. Choisis rouge pour l'attaque ou bleu pour la défense. Rouge. Es-tu sûr? Oui. J'ai la tunique rouge. Ah non, rose. J'ai la tunique rose, en fait. Elle est pas rouge, elle est rose. Bon. Un peu what the fuck, ce donjon. Ah oui, d'accord. Ok. C'est gentil. En termes de puissance, là, je me mets bien. Ça fait ça sur tous les mecs? Ouah! Je sais pas si ça disparaît quand je meurs, mais en tout cas c'est violent. On va aller un petit peu vers le haut. Bon, c'est pas exactement l'endroit où on devrait aller en priorité, mais ça me va bien parce que du coup on va pouvoir aller. Je vais un petit peu me montrer où est-ce qu'on va passer pour le quatrième donjon. Ouais. Pas forcément le meilleur endroit où je devrais passer, en fait. Mais il y a des endroits auxquels on peut accéder à partir de maintenant. Grâce au bug de Pégase, on doit pouvoir accéder à 2-3 petits endroits sympatoches à partir de maintenant. En tout cas, c'est assez fun de pouvoir taper comme un taré à partir de maintenant. Il me faut les bots. Voilà. Ah bah voilà, il est là le PP Ramolo Bidule. Là. Ah oui, il y a un passage aussi que j'aurais dû faire. Il y a un truc que j'aurais dû faire ici. Parce que là, il y a une partie du troc. Il y a une partie du troc et j'ai oublié de le faire. Faudra que je repasse vers la prairie du coup. Il y a l'élément là, on va essayer. J'étais avec Prédit, je me suis perdu. J'ai trop faim pour faire un pas de plus. Me nourriras-tu? J'ai pas de bouffe. Parce qu'il me manque l'élément important. Ouais, je peux pas encore nager. En gros, le passage pour aller. Pour aller au niveau 4, il est là où je peux pas encore passer parce que je n'ai pas encore trouvé la clé. On va gentiment se diriger vers le niveau, l'emplacement de la clé du niveau 4, qui est à côté du deuxième village qu'on n'a pas encore découvert et qu'on va du coup aller voir. Comme ça, au moins, on aura fait quelques petits trucs pour le prochain donjon où on fera d'affilée la récupération de la fameuse clé. Et aussi, on fera le donjon en direct. Putain. Tiens, j'ai pu appuyer sur le truc. D'accord. Non, c'est pas ça que je veux. On va utiliser le téléporteur. J'ai vraiment plus aucune ressource. J'ai plus de bombes. Mais je dois avouer que le fait d'avoir fait ce donjon et pouvoir one-shot la plupart des ennemis du jeu, c'est plutôt cool. C'est clairement coolos. Parce que du coup, en fait, c'est comme si on avait un fragment de puissance en permanence. Genre, et si ça fait quoi? Ça quadruple le fragment de puissance? Je sais pas ce que ça fait. Ça doit les désintégrer. Alors, j'avais besoin de passer par là. Parce que il y a un élément du troc qui nous permettra de le repérer. Voilà, c'est lui. Voyou, ton truc me plaît. Je te donne du miel pour ce bâton. Oui. Hop, le miel.
D'ailleurs, je vous ai dit une connerie, je crois, dans le premier épisode. J'avais dit que c'était une quête optionnelle. C'est pas une quête optionnelle, en fait. Il faut bel et bien que je récupère vraiment tous les éléments pour choper l'item à la fin. L'item qui est important, en fait. Mais on va aller se diriger vers le village des animaux, qui est le second village. Je veux pas passer par là, en fait. Hop. Et donc là, on peut passer, parce que si on se souvient bien, il y avait des cristaux qu'on peut, à partir de maintenant, bah, défoncer. Hop. Et voilà, on est de l'autre côté. On a une zone auquel on pouvait pas accéder jusque-là. J'ai tapé dans un truc électrique. Voilà, donc le village des animaux. Bonjour. Une chanson de Marine par ainsi bonjour, ça serait le pied. Donc ici, il y a quoi? Il y a un lapin. Les dunes de Darna, leur entrée est au sud, mais tu ne peux pas y aller. Une bestiole est affalée de tout son long. Oui, on va aller voir ça, mais je vais d'abord visiter un petit peu le village, parce que j'ai 2-3 trucs intéressants. Là, il y a une hippopotame qui... Ah, d'accord, c'est pas la même version. C'est une hippopotame. Yo, je suis Sven Donavich, la statue de la sirène. De la sirène près de la baie est mon chef-d'œuvre inachevé. L'art, c'est dur, hein. Il y a un accent bizarre. Ok, bon, il a la même. La même peinture que ce qu'il y avait sur la version Game Boy. Mais l'hippopotame n'est pas du tout pareil, parce que dans la version Game Boy, elle s'assied pas juste, elle est enveloppée, enfin, elle s'enveloppe dans un drap. Savais-tu que le village des animaux et des mouettes étaient des villes jumelées? Des villes, c'est un bien grand mot. Village jumeau serait mieux. D'après une source sûre, à l'intérieur du gîte des rêves, il y a un... Ouais, ben, le gîte des rêves, je l'ai fait. Ah oui, c'est vrai que la chèvre... Tu ne connais pas l'étiquette quand tu rends visite à une dame? Si tu m'avais apporté des fleurs, j'aurais été plus loquace. Personnellement, j'adore les hibiscus. Oui, bon, vous vous doutez, c'est pour la quête du troc. Et aussi, pour ça sera une des nanas qui ne friendzonera pas Mr. Wright. Mais, spoiler. Qu'est-ce que je voulais dire, sinon? Oui, ils font bien rire avec leur histoire de ville jumelée. Attendez, hop, la carte. Il y a que 2 putains de villages dans ce jeu. J'ai envie de te dire, pas compliqué de jumeler des villes. Et là, il y a le truc qui m'a le plus, mais le plus, frustré de ce jeu. Ce putain... de puits. On peut pas sauter dedans. Mais un puits dans les Zelda, tu sautes dedans. Marine est-elle en vie? Oui. Voilà, l'ananas. C'est du miel que tu as là, j'en ai besoin. Tu ne veux pas l'ananas à la place? Oui. Voilà, donc on continue la suite. Et l'ananas, il faudra les donner au papy bidule là, qui est en train de mourir de faim dans les montagnes comme un con. On va très clairement le dire. Et il y a le troisième TP du jeu. Voilà. Et donc du coup, là, comme je vous ai dit, ça fonctionne en cyclique. C'est-à-dire que pour revenir, il va falloir encore passer 2 fois dedans. Mais au moins c'est pratique, parce qu'on pourra aller très vite à différents points de la carte. Parce que je rappelle qu'on est ici. Il y a un point au milieu centre, un point au nord-est. Et le dernier point d'ailleurs, je crois qu'il est au nord-ouest. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Et je vais vous quitter devant les dunes. Parce que il y a un morse qui bloque les dunes. Et qui rêve de Marine. Voilà, et donc le seul moyen de le réveiller... Entrée des dunes de Erna, voilà. Le seul moyen de réveiller le morse, c'est... de revenir avec Marine, et pour ça il va falloir lui demander. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça que dans le prochain épisode. Hop, j'ai rentré dans un bâtiment, comme ça, ça m'évitera de faire des allers-retours à l'infini. Voilà, on fera ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode sur un petit peu hors série par rapport au donjon, du coup je découvrais avec vous, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !